Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo où je pars du coup en Allemagne à Kobel pour l'ouverture du championnat allemand. Alors les petites galères s'enchaînent. D'une, ma coéquipière Romane ne peut pas venir, petit souci. De deux, pas de suspension. Apparemment trop de boulot pour eux, pas eu le temps, donc pas de suspension. Je vais me démerder avec les motos à Guillaume, prendre sa fourche, la mettre sur la mienne, et puis si j'ai une galère avec la mienne, réintervertir les fourches. C'est la galère. Je pars tout seul sur la route du coup, 1000 km solo. Donc j'ai 8h30 de route, voire 9h. Je ne peux pas dire que c'est un peu la galère, mais bon, quand on veut, on peut. Et cette course-là, ça fait plusieurs semaines que je l'attends. Et du coup, je peux pas louper ça, j'avais pas annulé, c'était trop simple d'annuler, donc voilà, j'y vais en solo. Tranquility to earth.
Comme vous pouvez le voir, la texture, c'est assez meuble. C'est du sable avec du caillou. Hier, il a bien neigé, du coup, la terre est quand même assez humide. Ce qui est très rare apparemment ici. Apparemment ici, c'est plus du sable que de la terre. C'est tout le temps sablonneux, tout le temps de la poussière. Donc là, autant dire que normalement, on devrait être pas mal. Il annonce de la neige aujourd'hui, donc moi pour moi c'est bien, moi j'aime bien ce genre de texture. Regardez-moi ça, c'est beau terrain. On trouvera pas ça en France, je vous le dis. Digne d'un terrain de MXGP. Avec des énormes relevés bétail et des belles tables. Bien faites, bien rondes, qui sont pas dangereuses. Voilà, un petit appel et une réception bien ronde, bien plate. Donc on peut atterrir là où on veut. C'est parfait. On a quand même maté la taille du talus là. Je pense que ça doit pencher. Là. Bon voile, contrôle est fait, tout est ok. Et je suis plutôt ravi parce que du coup, deux catégories c'est 40 balles au lieu de 60. En fait, il faut un prix réduit si on en fait plusieurs et je suis bien content. Bon bah voilà, rentrée de l'Allemagne, alors il y a une petite semaine qui s'est écoulée entre la course et maintenant. Donc petit récap, donc, la course s'est très très bien passée, donc deux catégories, deux podiums. Je m'attendais pas à autant, je m'attendais à faire une catégorie en open et essayer de décrocher un podium. Ça s'est concrétisé, après j'ai été un peu déçu parce que bon, j'aurais pu faire deux malgré la petite chute. Je me suis relevé et tout ça, donc j'ai fait trois, ce qui est très très bien quand même. Et après, bah, petit podium bonus hein, en moins de 125 cc. Pareil, podium qui était vraiment pas prévu. Mais bon, voilà, en y allant un peu, bah, ça l'a fait. Et je suis vraiment très 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 content. Et d'ailleurs, j'ai passé un très très bon week-end là-bas en Allemagne à Kobel. Franchement, la piste était géniale. Les Allemands ont été vachement accueillants avec moi. Et la mécanique s'est bien passée. La moto a tenu nickel. J'ai pas fait un brin de mécanique dessus. Le KLX, pareil. Mis à part que, bon, dès le matin, premier coup de gaz, le câble, il a pété. Mais à part ça, nickel. Pas un seul souci du week-end. Très bon week-end. Donc voilà, maintenant on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo si tu le veux. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye.